Salut, salut. Bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons chaque lundi soir pour pouvoir parler des dernières nouvelles du projet. Alors, aujourd'hui, nous commencerons bien évidemment par les dernières nouvelles du projet. Après ces dernières nouvelles du projet, nous parlerons des facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons ensuite les problèmes, risques et sécurité du système de transport actuel. Nous parlerons des possibilités et des perspectives du système de transport qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport, soit le transport à cordes. Je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre. Quels avantages, perspectives et bénéfices vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, sans toutefois tarder, commençons avec la dernière nouvelle en date, très chaude pour les pays d'Afrique. Surtout, le transport à cordes a été présenté lors d'un forum d'affaires au Rwanda. La Société de développement du transport à cordes a participé au forum d'affaires CHOGM au Rwanda en 2022. L'événement a aidé le projet à se faire connaître sur le marché de la région de l'Afrique de l'Est. CHOGM Rwanda 2022 est un événement clé pour le Rwanda dans le domaine de l'innovation, des affaires et de l'économie. Cette année, les participants ont discuté de la façon dont les nouvelles technologies peuvent aider le développement du pays. L'événement a été visité par des représentants de 54 pays. Parmi les invités, il y avait le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Nigeria, Mahamadou Bouhari, les ministres et les hommes d'affaires des différents États, Claire Akamanzi, avocate en commerce international et en investissement, directrice générale du Conseil de développement du Rwanda et membre du Conseil des ministres, a également pris la parole. Ce printemps, elle a visité le centre d'essai à Sharjah. Alors, l'introduction du transport à cordes pourrait stimuler, la croissance économique du Rwanda. Ceci est possible grâce à la haute efficacité et l'adaptabilité de la technologie. Bien évidemment, les modèles de transport de passagers peuvent accélérer jusqu'à 150 km par heure et transporter jusqu'à 50 000 passagers par heure.
Le transport à cordes, il n'a pas besoin d'un entretien et d'un emplacement constant des pièces. Une ligne de transport nécessite jusqu'à 100 temps pour une réparation majeure. L'infrastructure de rail à cordes peut être construite dans la région avec n'importe quel terrain et conditions météorologiques. La visite du forum a marqué une nouvelle étape dans le développement des relations entre la Société du développement des transports à cordes et le Rwanda. Le projet est prêt à offrir aux pays africains ses solutions dans le domaine du transport de marchandises et aussi de passagers. Les spécialistes du projet ont inspecté la qualité de l'assemblage des pièces pour les pistes aux Émirats arabes unis. Les représentants du projet de transport à cordes ont visité la production de Galadari Engineering Works. C'est l'une des plus grandes entreprises des Émirats arabes unis pour la fabrication des structures métalliques. Depuis 2019, Galadari Engineering Works fournit des pièces pour la construction des pistes au centre de test de Sharjah. Maintenant, l'entreprise fabrique des éléments de la quatrième ligne de transport. Les spécialistes du projet ont évalué la quantité des structures métalliques directement dans l'atelier de Galadari Engineering Works. Cette approche permet de détecter d'éventuels défauts et inexactitudes avant la montée des pièces sur le site. La vérification a confirmé que les conceptions sont entièrement conformes aux exigences et aux tolérances des dessins. Par conséquent, le fournisseur a reçu l'autorisation de terminer donc la construction. Nous vous rappelons que la construction des deuxième et quatrième pistes de 2,4 km est en cours au centre de Sharjah. Pour ces pistes, tous les supports intermédiaires sont installés et des stations partiellement érigées. Le projet de transport à cordes établit des liens commerciaux avec l'Égypte. Le centre d'essai de la technologie à cordes de Sharjah accueille des délégations du monde entier. Cette fois, le site a été visité par des représentants des milieux d'affaires égyptiens. La partie principale de l'excursion était un voyage sur un Nikkar tropical certifié. Après cela, les invités se sont rendus à la salle de contrôle où un complexe logiciel et matériel pour la gestion des transports et un système de collecte de données sur la piste est représenté. Les délégués ont également visité le pavillon qui présente un modèle de transport à grande vitesse. Ce véhicule peut accélérer jusqu'à 500 km par heure sur les pistes interurbaines et internationales. En outre, les invités ont visité le siège de la société qui est engagée dans le développement du projet au Moyen-Orient. Ce bâtiment présente une maquette actuelle de la ville linéaire. Ce sont des colonies de type moderne qui sont reliées par des voies à cordes. À la fin de la visite, les parties ont discuté de la possibilité d'introduire le transport à cordes et de marchandises en Égypte. C'est ce domaine d'activité qui a particulièrement intéressé les délégués. Rappelons que parmi les avantages du transport de marchandises à cordes, on note le faible coût de construction et l'exploitation des possibilités de poser des pistes sur n'importe quel terrain. L'automatisation complète et le respect de l'environnement élevé ne sont pas du tout à négliger dans cette affaire et c'est un point très essentiel qui, je suis sûr, permettra de boucler des contrats avec ce pays également. Eh bien, nous parlons de la technologie à cordes. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'une solution innovante au problème de transport moderne, urbain, pour le transport des marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde, qui vous donne la possibilité aujourd'hui de devenir copropriétaire de cette technologie-là. En 1914, l'usine de confiserie russe, appelée Eniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction.
Comme on peut le voir ici, c'est ainsi que celui-ci a représenté le monde dans un avenir proche. On voit bien une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Tout sur cette image. Ici, dans cette illustration, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici vous êtes déjà familière et pas seulement sur des images. Non, c'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par accident de voiture, des navires, d'avions, d'actes terroristes, conflits militaires, c'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. 1,5 million de personnes, c'est énorme. Les effondrements des transports affectent aussi l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre donc chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes, des transports ainsi que la mort des personnes causées par le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme a envahi la nature. Elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme. Voyons les modes de transport utilisés aujourd'hui, ces images qui carrément montrent leurs limites et leurs inconvénients. Voyez des routes qui sont couvertes par des tempêtes de sable, des ponts qui sont détruits. Des voies ferrées qui sont recouvertes par la glace en temps de neige. L'homme reste persévérant dans cette voie et tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez, le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est devenu un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Ainsi, nous avons le troisième problème majeur de notre époque qui est la pollution de l'environnement. Heureusement, le transport à cordes vient résoudre tous ces problèmes. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, non. En connectant notre voiture à une prise de courant, nous nous connectons à une centrale électrique indirectement qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi, le quatrième problème de notre époque, c'est la forte consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les hommes ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts, mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues rouleaux par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Clairement, il ne faut pas le confondre avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas de moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit ici d'une infrastructure à côte constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes.
La mise en place d'un système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des structures des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires d'utilisant les écosystèmes dans la zone de développement. Ici, nous avons une image d'une éco-maison. Clairement, c'est-elle un oasis dans le désert. Une autre perspective de l'éco-maison, vous pouvez voir ici. Et avant de continuer, j'aimerais que nous lisions ensemble cette assertion d'Anatoly Yunitskiy. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et auto. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied un système de transport qui est identique dans son potentiel aux industries ferroviaires, aviation et auto. Comprenez bien ce que cela signifie. Donc, nous fixons le problème, qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Ça, c'est le problème de base. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. Mais cette technologie s'est toujours avérée inefficace. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, d'accord, supposons que nous plaçons plutôt le câble. Et les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Ensuite, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. C'est ainsi, comme vous voyez sur cette image, à quoi ressemble le rail en section. Les variantes de structure de rail à cordes, la tête du rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre support et d'une poutre rigide sur une petite portée. Sur la roue d'un autorail électrique et au-dessus du support. On voit clairement ici qu'il y a la tête du rail. Ensuite, on voit des faisceaux de fils d'acier qui sont des cordes. OK. Et là, on a aussi un béton, ok, c'est un béton très spécial, un béton flexible, conçu également par l'ingénieur de la technologie. Et en bas, on a le corps du rail, la fameuse enveloppe qui enroule les cordes. Alors, sur cette base, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. On a une structure de rail semi-rigide qui peut supporter des véhicules allant à une vitesse entre 50 et 250 km par heure. C'est l'intervalle de vitesse admissible. Rail rigide, 100 à 500 km par heure. Et le rail flexible, 30 à 150 km par heure. Ici, nous avons une vue, je dirais, éclatée, OK, de la conception du châssis. On voit qu'à l'intérieur, il y a bien évidemment un dispositif d'affichage de secours. Il y a aussi la roue moteur, bien évidemment, qui permet au déplacement sur le câble.
un inverseur de moteur, un radiateur système de refroidissement et une batterie d'accumulation. Convertisseur de tension, système anti-déraillement et un système de un ressort de suspension autant pour moi. Ici, vous pouvez voir donc la conception du système anti-déraillement spécial. Regardez les dimensions sur cette image du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à corde. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Ceci n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST Inc. à Chargeant. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc des pilotes et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas donc difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Alors, ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, mais aussi la puissance et la consommation, mais aussi la consommation d'énergie réduite, je voulais dire. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Ici, voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment. OK. En grandeur nature. Sur cette image, on voit clairement les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Et pour cette raison, donc, OK, pour les raisons d'aérodynamisme, on se rend compte que le transport à cordes à grande vitesse peut économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne. Les quatre problèmes principaux que nous avons étudiés ici sont la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Et ici, donc, sur ces diagrammes, vous pouvez voir clairement une étude comparative qui montre les caractéristiques des véhicules modernes et aussi du transport à cordes. On se rend compte qu'en termes de coût du capital, coût des opérations, du niveau de consommation d'énergie, la capacité, au niveau de pollution de l'environnement et du taux d'accident des transports, le système de transport à cordes est le plus optimal. Eh bien, le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport, tant de délivrance qu'ou de délivrance. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projeté. On se rend compte que le système de transport à cordes aussi, ici pour le transport des passagers, est jusqu'à 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport les plus modernes, imaginez-vous.
Le coût par kilomètre est entre 3 et 8 millions de dollars seulement. Donc, nous pouvons dire que le transport de second niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. Tout le monde peut investir. Tout le monde peut investir. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Le plan de versement pratique peut être divisé en 5 mois. L'entreprise permet aux différents investisseurs de pouvoir investir à tempérament sur 5 mois. Et il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs répartis dans ce projet dans plus de 200 pays, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera et fera des bénéfices. Vous, nous bénéficierons, OK, 20% de ces bénéfices seront répartis à tous les actionnaires en termes de dividendes. Chacun recevra bien évidemment en fonction du nombre de parts qu'il détient. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat des actions. Elle a déjà fait en 2018, où les 5 000 premiers investisseurs ont pu revendre leurs actions à un profit allant à jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. La vente d'actions. Les valeurs actuelles. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à sa valeur nominale qui est 1 dollar. Lorsque la société décidera d'entrer sur le marché boursier, vous pourrez bénéficier donc de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché. Alors, l'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Unitsky String Technologies. Optimal, efficace et sûr. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être facilement trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Okay? Aujourd'hui, déjà, plus de 11 modèles de véhicules ont été développés pour le transport des passagers. Et voici ici en grandeur nature quelques images de quelques systèmes de transport de passagers. On a l'Unibike, l'Unicar, l'Unibus, l'Uniwind. Et pour le transport des marchandises, 4 modèles ont été développés, l'Unitrans, l'Unitruck, 2 modèles et l'Unicont. Alors, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec d'autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ainsi, ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 lors de l'exposition Inotrans à Berlin. Et notez la photo en haut à gauche, on voit les employés des stands de téléphériques suisses qui regardent en direction de l'unibus à grande vitesse. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. Alors, la technologie du transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Ici, ces images, il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Sans aucun doute,
Il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniski Steel Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. OK, suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en Biélorussie. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations, s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe également. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et d'innovation qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2019 sur le site de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc clairement une preuve supplémentaire que le système de transport va fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement à l'environnement, tout comme le fait le tram ou le métro aujourd'hui. Elles ne se prennent plus du tout. Alors, le transport, le sky que nous venons de voir, il est clair, est un transport innovant. Il se déplace au-dessus du sol, évidemment, à haute vitesse. Nous avons vu les ranges de vitesse, les intervalles de vitesse. Et il est efficace, sûr, facilement intégrable et aussi, surtout, écologique. Alors, je vous dis merci pour votre aimable attention et je vais vous laisser avec cette vidéo, comme d'habitude, afin que vous puissiez continuer à apprécier notre système de transport innovant qui est déjà en train d'entrer sur le marché du transport et qui occupera plus de 50% de ce marché. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour de nouvelles choses du projet et d'autres aspects de la technologie. Bonsoir. Thank you.